Salut les gaufrettes! Ça y est, nous sommes passés à l'automne. C'est une jolie saison aussi, la nature nous offre de belles couleurs. On va également changer les couleurs de nos assiettes. Et oui, d'autres fruits et légumes vont arriver sur nos étals. Donc on part sur une recette avec un fruit spécial automne. C'est presque ça. Sous un climat méditerranéen, l'arbre sur lequel il pousse peut fleurir 4 fois dans l'année. Ah oui, découvrons-le avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour le sirop, il faudra un citron jaune non traité, 150 g de sucre en poudre, 150 g d'eau et pour faire plaisir aux grands, 40 g de limoncello. Je zeste et presse le citron. Je garde le jus de côté. Je pulvérise le sucre et le zeste 10 secondes, vitesse 10. Je racle les parois du bol, puis ajoute l'eau et le jus de citron et chauffe 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. J'ajoute le limoncello, mélange 10 secondes, vitesse 5 et je réserve. Si tu prépares ces financiers pour des enfants, remplace le limoncello par le jus d'un demi-citron. Pour les financiers, il faudra 100 g d'amandes en poudre, 150 g de beurre en morceaux, 50 g de farine, 170 g de sucre glace, une gousse de vanille et 5 blancs d'œufs. Dans le bol, je mets les amandes et mou 10 secondes vitesse 9, puis je réserve. Dans le bol, je mets le beurre et fais fondre 3 minutes, 90 degrés, vitesse 1. Et je réserve. J'insère le fouet et ajoute la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et les graines de la gousse de vanille. Je programme 10 secondes, vitesse 2. J'ajoute les blancs et fouette 2 minutes, vitesse 3. Au bout d'une minute, j'ajoute le beurre sur les fouets en marche. Je répartis la pâte dans le moule à financier et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Je démoule et trempe chaque financier 1 à 2 minutes dans le sirop. Je laisse refroidir sur une grille. Cette recette est idéale pour un tea time. Et les mini gaufrettes peuvent préparer la version adulte pour faire plaisir aux parents avec un café gourmand. Ben voyons, ne serait-ce pas un petit message pour moi ça? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, on verra. En attendant, cette première vidéo d'automne est terminée. Ça passe vraiment trop vite. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.